L'ouvrage phare, Fils de Prélat, chef-d'œuvre de l'auteur camerounais Armand-Claude Abanda, est dédicacé ce lundi 14 novembre 2022 au Collège Vogt de Yaoundé. Ancien élève de cet établissement qui a forgé sa personnalité, le représentant résident de l'IAI Cameroun prend la parole avec un visage plein d'émotions, yeux larmoyants. L'auteur est plongé dans ses souvenirs d'enfance. Il exprime son satisfaction et adresse ses remerciements à la promotrice de la troisième édition du Festival international La Semaine des Fous du Livre, qui n'a ménagé aucun effort à faire d'Armand-Claude Abanda l'invité d'honneur de ce festival. À 3 semaines déjà, nous sommes prêts pour accueillir les quinzaines de pays qui viennent, aussi les invités nationaux qui sont bien là, les établissements scolaires, les littéraires, les associations littéraires. Nous serons bien implantés au Musée national du 7 au 10 décembre. Et aussi, il faut dire que nous avons reçu là le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, nous avons l'accompagnement de l'IAI, le ministère de la Jeunesse et plein de particuliers qui ont compris que le livre doit être au cœur de la société. Au cours de cette cérémonie, Armand-Claude Abanda offre gracieusement 30 ouvrages Fils de Prélat et 10 ouvrages Le Renouveau National de l'Est de Joseph Lé aux élèves du Collège Vogt, une initiative qui vise à inciter les jeunes à la lecture. Les fous du livre, c'est si beau déjà à entendre. Il faut être fou du livre. Il faut réapprendre à lire. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus lire. Ils ne savent donc plus lire. Au Collège Vogt est un véritable bonheur. C'est avec beaucoup d'émotion que je le fais parce que tout à l'heure j'ai failli avoir quelques larmes en parlant à ces enfants qui étaient en face de moi. Quand je les voyais, je me voyais quand j'étais tout petit. C'est donc avec un sentiment de joie et de satisfaction que les responsables du Collège Vogt et amis de l'auteur accueillent cette présentation. Les éditions Les Fous du Livre pour l'initiative qui est saluée, qui est louable. Qui permet aussi d'encourager la production et la lecture. Et nous sommes touchés de savoir qu'ils ont choisi notre collège, le Collège Vogt, pour abriter cette dédicace de l'ouvrage d'Armand-Claude Abanda, Fils de Prélat. Armand-Claude Abanda qui est un enfant de la maison. Un sentiment de fierté, parce que nul n'est prophète en son pays, mais il a su nous redonner beaucoup de prestige. Déjà par son parcours personnel sur le plan professionnel avec le centre d'excellence Paul Biya. Notons que Fils de Prélat est utilisé dans les systèmes éducatifs congolais et gabonais et a déjà honoré son auteur au prix Filiga d'excellence pour l'éducation en Afrique 2022.